Bonjour Julie Depardieu. Bonjour Saskia. Alors aujourd'hui, tenez-vous bien, je vais vous lire une lettre superbement écrite par Baudelaire. Le vendredi 17 février 1860 à Wagner. Monsieur, avant tout, je veux vous dire que je vous dois la plus grande jouissance musicale que j'ai jamais éprouvée. Je suis d'un âge où l'on ne s'amuse plus guère à écrire aux hommes célèbres et j'aurais hésité longtemps encore à vous témoigner par lettre mon admiration si tous les jours mes yeux ne tombaient sur des articles indignes, ridicules, où l'on fait tous les efforts possibles pour diffamer votre génie. Vous n'êtes pas le premier homme, monsieur, à l'occasion duquel j'ai eu à rougir de mon pays. Enfin, l'indignation m'a poussée à vous témoigner ma reconnaissance. Je me suis dit, je veux être distinguée de tous ces imbéciles. La première fois que je suis allée aux Italiens pour entendre vos ouvrages, j'étais assez mal disposée, et même, je l'avouerai, plein de mauvais préjugés. Mais je suis excusable, j'ai été souvent si dupe. J'ai entendu tant de musique de charlatans à grande prétention. Par vous, j'ai été vaincue tout de suite. Ce que j'ai éprouvé est indescriptible. Et si vous daignez ne pas rire, j'essaierai de vous le traduire. D'abord, il m'a semblé que je connaissais cette musique. Et plus tard, en y réfléchissant, j'ai compris d'où venait ce mirage. Il me semblait que cette musique était la mienne. Et je la reconnaissais comme tout homme reconnaît les choses qu'il est destiné à aimer. Ensuite, le caractère qui m'a principalement frappé, ça a été la grandeur. Cela représente le grand et cela pousse au grand. On se sent tout de suite enlevé, subjugué. J'ai senti toute la majesté d'une vie plus large que la nôtre. J'ai éprouvé souvent un sentiment d'une nature assez bizarre. C'est l'orgueil et la jouissance de comprendre, de me laisser pénétrer, envahir. Volupté vraiment sensuelle et qui ressemble à celle de monter dans l'air ou de rouler sur la mer. Généralement, ces profondes harmonies me paraissaient ressembler à ces excitants qui accélèrent le pouls de l'imagination. Il y a partout quelque chose d'enlevé et d'enlevant, quelque chose d'aspirant à monter plus haut, quelque chose d'excessif et de superlatif. Par exemple, pour me servir de comparaison empruntée à la peinture, je suppose devant mes yeux une vaste étendue d'un rouge sombre. Si ce rouge représente la passion, je le vois arriver graduellement par toutes les transitions de rouge et de rose à l'incandescence de la fournaise. Il semblerait difficile, impossible même, d'arriver à quelque chose de plus ardent. Et cependant, une dernière fusée vient tracer un sillon plus blanc sur le blanc qui lui sert de fond. Ce sera, si vous voulez, le cri suprême de l'âme monté à son paroxysme. Ainsi, je pourrais continuer ma lettre interminablement. Si vous avez pu me lire, je vous en remercie. N'ajoute pas mon adresse parce que vous croirez peut-être que j'ai quelque chose à vous demander. Merci beaucoup, Julie Depardieu. Je n'avais pas ma fin, mais c'est trop beau cette fin. C'est aussi magnifique. Lettre de Baudelaire à l'attention de Richard Wagner. Ça donne envie d'écrire. Ça donne envie d'écrire et de réécouter ce prélude de Lohengrin en entier. Merci beaucoup, Julie Depardieu, pour cette chronique qu'on réécoute sur francemusique.fr. À la semaine prochaine. Tout à fait.